Effronté, le prince arriva encore faire trembler Buckingham Palace dans sa deuxième série documentaire produite par Netflix. Le prince Harry revient en force sur Netflix. Son deuxième documentaire contient des révélations explosives sur la famille royale. Le prince accuse notamment sa famille de ne pas l'avoir soutenu après la mort de sa mère. En décembre 2022, les renégats de Buckingham Palace attaquaient frontalement la couronne britannique dans un documentaire choc sur Netflix. Sobrement intitulé Harry et Meghan, la série documentaire en 6 épisodes a provoqué un séisme Buckingham Palace. Personne ne sait ce qu'il se passe derrière les portes, lâchait le fils de Charles III dans la bande-annonce. Et sa femme de poursuivre, étant donné à quel point la barre est haute, est-ce que cela ne fait pas plus de sens d'entendre l'histoire de notre bouche? La firme en prenait pour son grade, du roi et sa femme en passant par William accusé notamment d'avoir manipulé Meghan Markle et de ne pas l'avoir protégée de la presse britannique. Le documentaire à charge n'avait pas eu l'effet escompté pour le couple exilé aux États-Unis. Sa cote de popularité avait baissé drastiquement peu après la diffusion du programme. Les tensions ne sont toujours pas près de s'arrêter avec la nouvelle offensive de Harry. Sa deuxième série documentaire Netflix, Art of Invictus, suit 6 participants de la compétition, un événement mondial fondé par le prince Harry qui aide les militaires blessés à guérir grâce au sport, précise le synopsis officiel. A priori, pas question d'adresser un petit tacle bien senti à sa famille. Le programme compte pourtant son lot de révélations explosives. Dans l'un des 5 épisodes, le mari de Meghan explique comment son retour de la guerre en Afghanistan a réveillé le traumatisme lié à la mort de sa mère. « Je n'avais jamais vraiment conscience, on ne parlait jamais, je ne parlais pas vraiment », confie-t-il, reprochant ainsi à sa famille de ne pas l'avoir accompagné dans ce moment difficile. On apprend également que le plus jeune fils de Charles III a eu le cœur brisé qu'on lui interdise de porter l'uniforme militaire après avoir pris ses distances avec Buckingham Palace. Il est aussi question de sentiments quand le prince s'adresse aux participants de la compétition et leur conseille de les montrer, contrairement à l'étiquette que lui a longtemps imposée la firme, « Si, vous avez envie de pleurer, alors pleurez, paix ». Harry n'a pas fini de jeter de l'huile sur le feu. Ces autres petites bombes lâchées par Harry sur Netflix on prendrait presque un certain plaisir à voir Harry lancer des petits tacles en toute discrétion à sa famille. Dans l'une de ces séquences en apparence inoffensive, le prince écoute attentivement un vétéran lui parler de ses démons et lui explique avoir vécu la même chose, à cause du traumatisme de la perte de sa mère quand il avait 12 ans. Une période qu'il a traversée avec un profond sentiment de solitude. Autre révélation explosive du même genre, Harry accuse sa famille de ne pas l'avoir orienté vers une structure de soutien ou des experts pour comprendre ce qui se passait en lui après la mort de Lady Diana. Malheureusement, comme la plupart d'entre nous, la première fois que vous envisagez une thérapie, si est-il lorsque vous êtes allongé sur le sol en position fœtale et que vous regrettez de ne pas avoir fait face à certaines de ces choses auparavant, ajoute-t-il. Le documentaire recèle enfin une scène plus émouvante avec les deux bannis de Buckingham Palace. Dans l'une de ses rares apparitions à l'écran, Meghan Markle rassure son mari, angoissé, avant qu'il prononce un discours lors d'un gala. Pas sûr que ces quelques secondes touchantes ne fassent fondre le cœur des Windsor.